je suis vraiment, vraiment excitée de vous faire cette vidéo-ci parce que c'est mes favoris du mois de février. Puis février, c'est déjà un mois vraiment court en partant. Puis là, j'étais malade comme toute la semaine passée. Fait que c'est pour ça que j'ai comme une voix vraiment enrhumée encore, là. C'est que, ben, je suis encore vraiment congestionnée. Puis j'ai mal au sinus. Puis j'ai mal à la gorge. Mon nez coule. La belle vie. Je suis vraiment contente puis excitée parce que ça fait genre, pour de vrai, depuis comme quoi, genre le 2 février que j'ai hâte de vous faire cette vidéo-là. Parce que j'ai tellement de nouveaux produits. C'est incroyable. Puis tous les produits que j'ai achetés, c'est des immenses coups de cœur. Ok, vous comprenez même pas. J'ai pas beaucoup de maquillage, j'ai comme 2 items je pense, mais le reste c'est plutôt comme soin corps, soin visage, vous savez que c'est comme ma partie préférée si on veut là, dans tout ce qui est attrait à beauté. J'ai beaucoup de choses qui sont autres aussi, autres que beauté. Je suis vraiment contente, puis en plus j'ai un petit giveaway, petit concours que je vais vous parler à la fin de ma vidéo. Puis là, ma caméra fait vraiment des siennes parce qu'elle arrête pas, comme ma caméra arrête pas de arrêter de filmer genre toute seule, puis ma caméra est comme vraiment vide, fait que je comprends pas. Mais bref, je vais commencer tout de suite si je veux pas ma vidéo dure comme 45 minutes là, parce que pour de vrai, j'ai vraiment beaucoup de choses. Puis pour vrai, tout ce que je vous présente, vous devez aller vous l'acheter parce que je suis en amour. Je vais y aller vraiment aléatoirement là. Donc le premier, c'est mon nouveau beurre pour le corps, Balm Crème Purple. C'est une nouveauté de chez Vichy, donc moi en tout cas, je l'ai reçu à ma pharmacie il y a vraiment pas longtemps. Puis là, oh my god, il neige tellement fort. Bref, comme je disais, c'est une nouveauté chez Vichy, puis pour de vrai, qui premièrement l'emballage est super mignon, c'est comme rose super pâle. Là, il est un petit peu gras le pot parce que genre, ben c'est un baume là. Fait que c'est quand même hydratant, puis la lumière change vraiment, mais c'est parce qu'il fait comme nuageux, puis c'est dehors en même temps, fait que c'est vraiment étrange là. Mais bref, comme vous voyez, je suis quand même très avancée, mais là, là, si vous voyez ça à votre pharmacie, vous devez aller sentir, ok? C'est la chose qui sent le plus meilleur, même si ça se dit pas, dans toute la vie. J'arrive pas à savoir c'est quoi ça sent exactement, à part la vanille, là, mais... Oh my god! Oh, c'est genre la vie, là! Donc, ouais, allez sentir ça. Puis, moi, j'ai le bon, mais je sais qu'ils font en genre de sérum. C'est comme un sérum, c'est tellement laid, ça. Ils font aussi en sérum, donc c'est quelque chose qui va être moins hydratant. Moi, je la trouve super sèche présentement, donc un bon, c'est parfait. Il y a des minuscules, genre, mais pas des paillettes, là, c'est vraiment trop intense, là. Mais ça laisse comme un fini satiné, mais pour vrai, ça reste pas. Le lendemain matin, j'en ai plus sur le corps, là. Mais pour vrai, c'est juste la meilleure crème pour le corps. Elle est super hydratante, puis mais moi, c'est vraiment l'odeur, là, pour de vrai. Je l'ai senti, puis j'ai tout de suite l'acheter parce que... C'est genre mon petit bébé là, pour le mois de février. Prochain favori, c'est vraiment étrange, je vais vous présenter ça. Puis là, oh my god, la lumière a tellement changé comme drastiquement. C'est un déodorant, donc je suis quand même pas mal à la recherche d'un déodorant sans aluminium parce que c'est prouvé là, comme quoi ça donne un cancer du sein, genre plein d'autres problèmes. Puis c'est vraiment pas bon pour la santé. Donc j'ai trouvé lui à mon Jean Coutu où est-ce que je travaille. Yeah, je vais vous en parler après. donc c'est de Attitude, ça c'est une marque qui est quand même assez écologique en général. Je sais qu'ils font comme des savons puis des trucs comme ça pour le corps, pour la lessive et tout ça. Donc ça c'est leur désodorisant sans dioxane, oxydéthylène, cancérigène. Donc puis l'odeur c'est source. Là j'étais comme ah, oh, ça va pas sentir super bon, mais ça sent comme super frais et fruité là. Puis la seule affaire que je suis comme pas habituée, c'est que, tu sais, c'est en bâton, mais ça laisse un petit peu le dessous de bras, genre mouillé, colore pendant quelques secondes, mais après ça, ça va. Puis pour vrai, tu sais, j'irai pas comme au gym avec ça, même si j'ai pas au gym, là, mais j'irai pas faire full exercice physique avec ça parce que, tu sais, je pense pas que ça va assez couvrir, mais pour tous les jours, aller à l'école, puis quand je reste chez moi, quand je travaille, ben comme ça fait vraiment la job, puis pour vrai. Ben, c'est comme plus naturel, là. Fait que c'est toujours plaisant à utiliser. Une autre découverte que tout le monde parle sur YouTube depuis tellement longtemps puis que j'avais jamais essayé, et pour vrai, je sais vraiment pas pourquoi, parce que c'est Dieu comme crème. C'est, là, c'est un petit peu sale, là, mais c'est la crème rose sauvage à la vitamine C. Donc, soin facial de nuit, effet éclaircissant de chez Corrèze. C'est magique, ok? Genre, je l'ai acheté parce que... Mais comme j'ai pas vraiment beaucoup d'acné, mais j'avais beaucoup de boutons quand j'étais plus jeune. Comme c'était de l'acné là, puis tout ça, puis j'ai toujours resté avec un petit peu de cicatrice ici, puis un peu, mais pas dans mon front, plus comme autour d'ici là. Puis pour de vrai, j'ai vraiment, ça fait comme un mois environ que je l'utilise, puis j'ai déjà vu une différence dans autant la texture de ma peau que l'hydratation, que l'effet éclaircissant justement. Puis moi j'ai comme des taches de rousseur là, ça paraît pas, mais j'aime vraiment pas ça, même s'il y a plein de gens qui disent que c'est super cute là, mais moi j'aime pas vraiment ça sur moi personnellement. Pis on dirait que, je sais pas, je trouve que ça, même pas que ça diminue, là, parce que c'est d'âge et rousseur, mais genre,
ça aide quand même beaucoup là. Une autre redécouverte, c'est le sérum concentré Texture Perfecter Youth Co de chez L'Oréal. J'avais déjà acheté ce sérum là, je pense qu'il y a environ un an, puis je sais pas pourquoi j'avais pas racheté, parce que c'est vraiment un magnifique sérum, puis je pense que je vais continuer à l'acheter pour le restant de mes jours, parce que je trouve que c'est le sérum parfait à mettre le matin. C'est un sérum qui va travailler sur la texture de votre peau pour venir aussi resserrer vos pores. Donc moi je trouve justement que ça agit quasiment comme une base de maquillage. Je trouve que ma peau est super lisse, puis quand j'arrive mon fond de teint, j'ai pas de, comme, de patch sèche ou de patch comme avec des pores là, parce que c'est vraiment étrange, mais j'ai la peau sèche, déshydratée. Mais comme on va faire mes pores ici, puis un peu ici, puis ça m'énerve. Donc c'est ça, je trouve vraiment bon ce sérum là. Puis tu sais, c'est pas tant dispendieux, je pense que c'est comme dans les 20 $ en pharmacie. Mais tu sais, comparé à des sérums d'habitude, c'est comme en haut de 50 $ là, donc c'est quand même très pesant. Ça, je me permets de l'inclure, même si ça fait comme même pas une semaine que je l'ai. J'ai posté une photo sur Instagram et c'est le masque détox vitaminé à l'eau d'orange de chez Bio Beauté de Nuxe. C'est un masque qui m'a attirée seulement par le packaging et l'odeur, oui oui. c'est comme une gelée, ok? On dirait du jello à l'orange, hein? Puis ça sent l'orange, genre le jus d'orange purement pressé, là. Oh my god, ça sent tellement bon! Donc c'est un masque qui venait travailler sur l'éclat de visage. Puis comme je vous ai dit, j'étais malade la semaine passée, puis pour vrai, mon teint était tellement dégueulasse puis terne. J'avais vraiment besoin d'un masque comme ça qui travaille sur l'éclat. Ok, la température est tellement bizarre. Genre pour vrai, je m'excuse tellement pour l'éclairage, parce que là, il y a comme un gros rayon de soleil, mais comme il neige super fort en même temps. C'est vraiment étrange pour vrai, le Québec là. La température, c'est juste... Je vais pas sacrer là, mais c'est vraiment de la merde. Bref, c'est vraiment un magnifique masque. Je pense qu'il est environ 29 $. Moi, j'ai trouvé dans les fermes à prix. J'ai vu une vraiment grosse différence. Puis en plus, ce qui est fun, c'est que quand on vient de rincer après comme 5 minutes, ça se transforme en une genre de bubille. Puis après ça, on a une espèce de eau lactée. Pour vrai, c'est vraiment super plaisant sur la peau, même si c'est comme collant qu'on l'applique un petit peu, mais ça part tout de suite après. Puis pour vrai, c'est vraiment un gros coup de cœur, puis en plus c'est un peu plus naturel. Prochain coup de cœur, qui est mon dernier, avant-dernier si on veut maquillage, c'est le Master Conceal de Face Studio de Maybelline, donc leur ligne Face Studio. C'est le cachet-ombre camouflant, moi j'ai la teinte 20 léger. C'est le meilleur concealer, j'en parlerai pas plus parce que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je pense que c'est ma dernière. C'est mon top 10 produits maquillage en pharmacie. Vous irez la voir, je mettrai la vidéo en barre d'informations parce que j'en parle quand même beaucoup, là, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc maintenant, mon bel et bien dernier produit combo maquillage, c'est mon pinceau de chez Sigma, le Flat Kabuki F80. C'est un pinceau que tout le monde parle sur YouTube, mais pour de vrai, là, il est juste magnifique ce pinceau. Puis là, c'est vraiment sale, mais c'est la brume fixante prolonge maquillage de chez L'Oréal. C'est comme la première brume fixante de maquillage que je vois en pharmacie, comme pas trop cher. Mais pas trop cher, c'est comme 15 $ je pense là. Mais pour vrai, qu'est-ce que j'aime faire, c'est que je mets comme deux sprays de ça sur mon pinceau. Puis après ça, j'ai là mon fond de teint. Puis pour de vrai, c'est vraiment étrange, mais on dirait que ma peau paraît moins sèche, ça va plus vite. Mon maquillage tient super longtemps. Puis pour vrai, j'aime vraiment ça en combo. Puis j'ai un code promo là, pour les pinceaux de Sigma si vous voulez vous le procurer. Ça vaut quand même la peine. Donc j'ai toujours en bonne information de toute façon. Là, mais pour de vrai, ce combo-là ensemble, c'est vraiment super pour appliquer n'importe quel fond de teint. Finalement, la dernière affaire, j'ai une paire de lunettes de soleil. Oui, oui, parce que même si c'est l'hiver au Québec et qu'il neige, ben, il fait quand même soleil. Puis quand on conduit, puis que la chaussée est mouillée ou qu'il y a beaucoup de neige puis que c'est blanc, c'est vraiment super difficile à conduire pour les yeux. En tout cas, moi j'ai vraiment de la misère là. Donc bref, je présente des lunettes de soleil qui font comme un peu 4 eyes là. Puis elles sont vraiment super belles. Donc c'est de la compagnie Skyvan. Puis là, je vais faire une petite promotion parce que comme c'est un ami en tout cas de moi là, qui vient de se partir une compagnie de lunettes de soleil avec quelques-uns de ses amis. Donc c'est pas comme une grosse compagnie encore là, c'est vraiment comme dans mon cercle d'amis si on veut. Puis pour le vrai, sont tellement belles, sont tellement de bonne qualité. Je vous mettrai le site internet de leur, site en bas d'informations. Puis vous allez voir, ils ont quand même une couple de modèles. Puis qu'est-ce qui est vraiment plaisant, c'est que le prix qui est marqué sur la paire de lunettes sur le site internet, c'est le prix final. Donc ça comprend le shipping et les taxes, qui est vraiment super bien selon moi. Il y a des modèles pour les gars et pour les filles. Et ça, c'est vraiment mon préféré. C'est le modèle Cheetah 122. Donc, ouais, je les aime vraiment beaucoup.
Puis mon concours, ça va justement être en lien avec ça. Donc j'ai la chance de vous faire gagner deux paires de lunettes de soleil. Donc il va y avoir deux gagnantes. Je ne sais pas encore trop ça va être quoi les règlements pour participer. Donc vous irez voir en barre d'informations. Il va vraiment avoir beaucoup de stock dans cette vidéo-là, dans la barre d'informations. C'est ça, je mettrai tous les règlements, mais il va y avoir deux gagnantes en réalité. Donc j'ai deux paires à faire tirer. Je vais vous les présenter tout de suite, mais je vais vraiment comme piger aléatoirement là, la gagnante avec la paire de lunettes. Là, ça va pas être choisi d'avance. Donc je vais vous montrer comment ça vient. C'est dans une boîte comme si c'était de chez Skyvan. Puis je sais pas, c'est vraiment beau. Comme c'est pas juste noir, je sais pas si ça voit la caméra là, mais une espèce de motif dessus, c'est vraiment super joli. Et puis on glisse comme ça ici. Donc je vais jeter ça sur mon lit. Ça vient dans un vraiment super bel issu encore une fois, quand même gros, mais les lunettes sont quand même grosses là, donc voilà. Puis c'est vraiment super bonne qualité. Vous allez avoir un petit papier avec un code promo de 30% je crois, que vous allez pouvoir donner à une de vos amies ou peu importe si vous voulez donner un code promo, un rabais à vos amis, bref. Vous allez avoir un petit linge pour justement nettoyer vos lunettes de soleil. Et les deux paires que je vais faire tirer, je vais vous les montrer à l'instant. Donc la première, je vais laisser quand même les papiers là, parce que c'est quand même la vôtre. Donc elle est quand même grosse aussi, mais pour vrai, j'aime tellement ce modèle-là. Malheureusement, ça va vraiment pas bien, mais je trouve ça tellement beau. Donc ils sont ils sont bruns en réalité, un peu cat eye aussi, là, qui sont pointus un peu plus dans les coins ici. Vraiment très bonne qualité, ok? Pour de vrai, on dirait que je vais jamais réussir à les casser parce que ils sont juste vraiment super bonne qualité. Et la deuxième paire de lunettes est un petit peu plus spéciale, puis encore une fois, ça me va pas super bien à moi, mais je les trouve vraiment trop belles. Je trouve que c'est comme... Il semble que je vois genre Kylie Jenner mettre ça, là. Donc c'est des lunettes comme ça, encore une fois, sont un peu plus grosses. C'est un peu plus comme le modèle aviateur en réalité. Donc voilà, encore une fois, elles sont brunes. Allez voir en barre d'informations justement si vous voulez participer. Là, je vais tout mettre les règlements là-bas. Pour finir, je vais vous parler de deux moments et une chanson. Donc tout d'abord la chanson coup de cœur que j'arrête pas d'écouter. C'est la chanson 4-5 Seconds de Rihanna, Kanye West puis Paul McCartney, je crois. C'est vraiment mon coup de cœur pour de vrai. C'est beaucoup trop bon cette chanson-là. J'arrête pas d'écouter. Encore une fois, je vais mettre en barre d'informations. Et deux moments, donc tout d'abord, j'ai ma fin de semaine que j'ai passée avec Alexis. Pas cette fin de semaine qui vient de passer, mais l'autre d'avant, j'ai vlogué. Donc il y a deux vlogs en ligne dans mes récentes vidéos là, que je suis avec Alexis. Pour vrai, je sais pas pourquoi, mais cette fin de semaine-là, c'était super agréable. On dirait que, je sais pas, comme on a tellement ri ensemble, puis c'était vraiment fun. Puis je sais pas, je trouve que même les vlogs sont vraiment drôles. C'est ça, c'est vraiment super le fun, donc je vous invite à aller voir les vlogs si vous n'avez pas encore vu. Je vous annonce que j'ai changé d'emploi, donc il y en a quelques-unes qui savent probablement dans mon entourage et aussi si vous me suivez sur Snapchat ou des trucs comme ça. Donc je ne suis plus aux gens coutus où est-ce que je travaillais pour des raisons quand même personnelles, mais j'avais besoin d'un un peu plus de défis et c'est ça, je me suis fait offrir un job au Pharmaprix, donc c'est un peu bizarre parce que c'est comme un peu de la concurrence, on s'entend. Je me sens un petit peu mal, là, mais tu sais, ils sont au courant là, puis ils sont quand même super contents pour moi. Parce que j'étais quand même proche, ça faisait quasiment 2 ans que je travaillais au Jean Coutu, puis je me suis fait pas des amis. Donc je me suis fait faire un job justement au Pharmaprix en tant que cosméticienne encore une fois parce que j'aime vraiment ça. Avec un petit peu des meilleures conditions, puis ben c'est ça là, je vais pas trop en parler. Mais bref, j'ai vraiment hâte, là, je commence mon training justement cette semaine, mercredi. Puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va pouvoir m'offrir. Puis c'est ça, j'ai vraiment hâte. Donc si vous êtes dans l'ouest de l'île, je vais travailler au Pharmaprix à Beaconsfield. Donc je sais pas trop si vous connaissez ça, mais bref, si vous connaissez ça, ben vous viendrez me voir. Et finalement, j'allais juste vous laisser sur une petite note parce que là, on est en semaine de relâche et j'ai une semaine vraiment assez chargée sur beaucoup de plans, puis vraiment intéressante puis stimulante. Donc je décide de vlogger à tous les jours cette semaine, donc du lundi au vendredi. Je sais pas encore pour samedi dimanche, je vais voir. Donc c'est ça, soyez alerte sur ma chaîne YouTube parce qu'il va y avoir un vlog en ligne à chaque soir ou en nuit ou en chaque matinée. En plus de deux vidéos beauté aussi qui va être mardi, donc aujourd'hui c'est la vidéo que vous écoutez et vendredi aussi. La vidéo est tellement longue, mais oh mon dieu, je m'excuse vraiment, j'avais beaucoup trop de choses à vous présenter. J'espère quand même que vous avez apprécié et n'oubliez pas de participer à mon concours aussi pour les lunettes de chez Skyvan. Donc faites un thumbs up à la vidéo et on se revoit bientôt, bye tout le monde! Ah, puis bonne relâche!